là, vous voyez, les athlètes enduisent les mains de magnésie, un magnésie qui sert surtout pour éviter que les mains glissent sur la barre lorsqu'il y a de la transpiration. C'est la même magnésie qui est utilisée par les gymnastes. Voilà, mouvement rapide. Donc le démarrage se fait toujours lentement pour bien contrôler le départ et ensuite l'accélération va se faire à mi-cuisse. On donne de la vitesse à la charge et on enchaîne sur le tirage du bras ensuite. Et le verrouillage et la chute. Voilà. Donc placement des pieds sous la barre, vous voyez, on dépasse légèrement avec le gros orteil beaucoup plus. C'est toujours en fonction de la taille de l'athlète. Bien sûr, l'athlète qui va avoir les grands pieds ira beaucoup plus en profondeur sous la barre. Voilà, doucement. Et on contrôle, c'est-à-dire qu'on ne part pas trop vite au départ. Et on va donner de l'accélération une fois qu'on a passé les genoux, à mi-cuisse, on accélère après. Pas trop vite au départ. Lentement, je contrôle et j'accélère. Voilà. Réception. Surtout finir l'extension, grandir en maximum, ce qu'on appelle dans le jargon haltérophile. Là, les épaules en avant de la barre, voilà, on appuie sur l'avant, je grandis et je chute. Voilà, celui-là était mieux. Voilà, on regarde bien le dos fixé, ouais, on fixe bien ensemble. Voilà. Donc un peu plus en extension, Christophe. Grandir. Pousse sur les jambes, on engage et on chute. Voilà, non, c'est pas grave. On va recommencer. Relâche bien les bras. Là, tu pousses sur les jambes. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bien. C'est bon.